L'arme du crime. Qu'est-ce que ça fait là? Se demanda Carl. Hamilton devait vouloir garder bien secrètement une information pour ainsi poster une clé. Ça ne lui a pas porté chance. Tout s'éclairait. Le pauvre Hamilton avait été interrompu dans sa dénonciation. Il avait cru bon de tout verrouiller, d'envoyer la clé à son correspondant et de mettre la boîte à la poste plus tard. Habile, mais pas assez. Voilà où s'amènent les gens ordinaires de jouer aux espions. Avant de prendre la route, Carl devait penser à remplir son réservoir. Carl sut tout de suite où trouver ce furieux Gilles Lachance. Une bonne enquête devait assurément commencer par là. Le magasin et ses alentours n'avaient pas livré tous leurs secrets, pressentait Carl. Il n'aimait pas passer à côté de quelque chose.
Quand on trouve une botte, on se demande toujours ce qui est advenu du pied. Carl trouvait ça inquiétant. Quand on trouve une botte, on se demande toujours ce qui est advenu du pied. Carl trouvait ça inquiétant. Une photo prise dans la maison, la même tapisserie sur les murs. À voir les sourires, personne ne se doutait que bientôt le calme allait se briser.
Quelqu'un avait pas aimé son visage en se levant le matin, on dirait. C'était le reçu pour un travail de misère. Alexandre Blais se fendait en quatre et fendait du bois pour le compte de Cloutier et fils. Une fenêtre ouverte par un froid pareil. Mais qu'est-ce qu'il fallait guetter comme ça? Une fenêtre ouverte par un froid pareil. Mais qu'est-ce qu'il fallait guetter comme ça? De l'argent dans la jarre. Dommage. Carl aurait préféré des biscuits.
Avec ses gros doigts, Carl ne pouvait pas atteindre la clé. Thank you.
C'était le trésor d'Ali Baba, version bûcheron. Karl trouverait bien là quelque chose avec de quoi s'amuser. Une clé. Pour ouvrir quoi? Le cabanon? Karl n'avait pas le bras assez long pour l'atteindre. Il était assez inventif pour trouver un moyen de la sortir de là. Thank you.
Il s'agissait visiblement d'une compagnie de coupe forestière. Cloutier, c'était sans doute le genre de patron à ne pas apparaître dans le coin. Un nom, pas de visage. Ça rappela à Karl que le grand patron de la place, William Hamilton, avait été assassiné. Il devrait exister une loi pour interdire aux docteurs d'être malade. Malgré la bonne volonté du docteur Beaupré, la place ressemblait peu à un cabinet de médecin. Au premier coup d'œil, ça pouvait être aussi bien un atelier de couture.
Pour les éborgnés autant que pour les autres problèmes de vue, le bandeau cache-œil était la solution. Le bon docteur avec sa belle épouse. C'était le portrait classique du parfait bonheur. Karl reconnaissait cette femme, ce regard mélancolique. La voiture qui l'avait frappé en trombe à l'entrée du village, c'était donc le docteur Beaupré. Le miroir frontal servait de lampe au médecin en réfléchissant à la lumière vers les cavités du patient. C'était inquiétant. Mais la médecine en général était inquiétante à cette époque. Le miroir frontal servait de lampe au médecin en réfléchissant à la lumière vers les cavités du patient. C'était inquiétant. Mais la médecine en général était inquiétante à cette époque. Le miroir frontal servait de lampe au médecin en réfléchissant à la lumière vers les cavités du patient. C'était inquiétant. Mais la médecine en général était inquiétante à cette époque. Il avait fait ses classes loin d'ici, le docteur Beaupré. Il devait même avoir été parmi les premiers étudiants du nouveau campus à s'établir à flanc de montagne. Manifeste communiste. Il y a peu d'années de cela, ce type d'allégeance pouvait valoir la prison. Et encore à l'époque, les pays de l'Occident libre montraient les dents contre l'ennemi soviétique. Pourquoi donc le docteur possédait un tel livre? On ne tue pas un riche patient pour faire la révolution. Cette histoire ne tenait pas debout. Il fallait creuser, fouiller, comprendre. C'était justement la spécialité de Karl Faubert.
un pot de nuit. Par chance, l'enquête de Carl l'obligeait pas à fouiller là-dedans. Un pot de nuit. Par chance, l'enquête de Carl l'obligeait pas à fouiller là-dedans. Carl frissonnait. Il pouvait imaginer la douleur causée par la lame du scalpel. Et dans ce cabinet misérable, il sentait que le patient devenait vite une pièce de viande à charcuter pour le bonheur de la médecine. Quelqu'un avait perdu ici quelques litres de sang. Carl songea à un accident dans la forêt. Une main de bûcheron taillée à la scie ou une chasse à l'orignal qui tourne mal. Dans tous les cas, le propriétaire de tout ce sang ne devait pas être allé bien loin. Peut-être même était-il allé directement dans sa tombe. Il fallait prendre son temps dans ce cabinet de curiosité. Tout importait. Même le décor racontait une histoire. Thank you.
Avec ce froid, Karl sentait déjà plus ses orteils. Je m'attendais pas à ce qu'un étranger retentisse par ici. Moi de dire, je prends plus de chance depuis que ça rôde dans ce bout-là. J'ai ma carabine au bout du doigt, et puis bang, 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 si ça s'approche! Si tu veux du linge chaud, parce que t'es habillé comme un gars de la ville, je dirais pas non à une bonne bouteille de caribou. Puis tu pigeras ce que tu voudras parmi mes guenilles. Hey, la Corriveau, batèche, ça te passe l'envie de te marier, la Corriveau? À Tuette ou ses maris, squeak, les uns après les autres. Pas de pitié dans le mariage. Touche pas à ça, l'enfant, tu pourrais te faire mal. Ben oui, une couche.
Je peux-tu tout faire en même temps, toi? Ben oui, une couche. Tu peux-tu tout faire en même temps, toi? Gomme-moi la belle rose de la tulipe, qui se donne au yard sur le mercredi décembre. Fus-tu pas effrayant, cette histoire-là? Vois-tu le livre, là? C'est le Wendigo. Ouais, le Wendigo. Un guerrier qui devient un loup pour se venger de sa grosse peine. Et... Oyez, 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 il y a un petit gars d'écarté dans ma maison. Vois que t'as pas mieux à faire. Apparence que mon caribou tarde. Ah, oh, la belle pétarade. En 17 que c'était. Et le Kaiser, il se souvient de moi avec ma belle carabine. Et bang, bang, que je lui disais. Bang, bang, bang. Ah, oh, le bon temps. La belle pétarade. En 17 que c'était. Et le Kaiser, il se souvient de moi avec ma belle carabine. Et bang, bang, que je lui disais. Bang, bang, bang. Ah, oh, le bon temps. Dans mon temps, c'était comme sur l'image. On était vrai, fiers, forts, puis on avait le bon lieu de notre bord. Mon beau bonnet du beau temps. Puis ma ceinture, où est-ce que je glissais mon flasque. Le monde tournait plus rond quand on s'habillait tout de même. Ah, c'est encore bon. Tout ce qui est vieilli est bien meilleur. Avait goûté là une nourriture de l'esprit, mais il oubliait la réalité du corps, un corps transi de froid dans ce dur hiver. Yeah.
Avec un champ de tir de même, il fallait pas que le tireur ait la berlue, parce que ses balles se seraient perdues vers la route et auraient pu tuer le premier passant. C'est sûr, songea Carl. J'avais pas beaucoup de passants dans le coin. Ça avait plus à voir avec une porcherie qu'avec une maison. Ça sentait le lait caillé, les alcools d'alambic et le chou-fleur bouilli. Il y avait juste un fou pour préparer son whisky blanc dans sa maison. Il risquait de crever 10 fois par jour, intoxiqué par les relents d'alcool. Carl devinait bien que le propriétaire des lieux ne faisait pas une collection de cuivre. On avait affaire à un brigand de ferrailleur qui trouve son cuivre où il peut, et sûrement des fois sans demander la permission. Le métal roux, ça se vend dans le temps de le dire. Carl devinait bien que le propriétaire des lieux ne faisait pas une collection de cuivre. On avait affaire à un brigand de ferrailleur qui trouve son cuivre où il peut, et sûrement des fois sans demander la permission. Le métal roux, ça se vend dans le temps de le dire. Carl savait maintenant comment abreuver le vieil ivrogne.
Régent Blouin. C'est comme ça qu'il s'appelait, le cochon de la place. À l'époque, comme en Afrique et comme dans tant d'autres colonies, on était prêt à prendre les armes pour se soustraire au joug de l'impérialisme anglais. À Montréal, on faisait exploser des boîtes postales, on organisait des enlèvements, on envoyait des manifestes violents aux médias. Ici, au nord du nord, on pouvait juste cracher tout seul contre un mal lointain et crier dans le désert pour que survienne la révolution. Le bonhomme de la maison était de cette pâte-là. Venait corrompre les esprits jusqu'aux confins du monde. Par chance, le bonhomme n'avait pas de tourne-disque. Le rock venait corrompre les esprits jusqu'aux confins du monde. Par chance, le bonhomme n'avait pas de tourne-disque. Carl sentait sa mission accomplie, le démoniaque nectar sous le bras. Une hache. C'était toujours ça de gagner. Carl croyait avoir besoin de protection.
du saint des pieds. Oh, quand on cherche, on trouve. Parce que je t'aime bien, Astor, je vais te dire quelque chose. Tu fais bien de prendre ma pénisse. Parce que par là-bas, tu vas rencontrer le vrai froid. Un froid qui glace comme t'en as jamais connu dans ta vie. Ça ouvre l'appentis. Prends-la, je m'en fous. Perds ton temps dans mes déchets tant que tu rapportes du caribou. La cabane du vieil homme s'était montrée généreuse. Carl ne pouvait guère en demander plus. Thank you.
Les gens dans le coin protégeaient leur bout de rue comme un chien défend sa bande fontaine. Une autre inquiétante victime des glaces, qui, celle-là, paraissait pétrifiée au cœur de l'action. Le pauvre homme, avant de se glacer, semblait défendre l'entrée de son chalet. Mais contre quoi? Il devait y avoir là quelque chose de bien important pour que l'homme se donne la peine de le cacher. Mais Carl ne voyait pas trop comment l'atteindre. Plus d'un an après le petit pas pour l'homme posé sur la Lune, le mécano se fascinait encore pour le sujet. Toute sa vie semblait témoigner d'une passion pour les galaxies. C'était une machine à la forme insolite. Assez inspiré de l'architecture de Star Trek pour qu'on craigne que l'objet ait pour but de voyager dans l'espace. La semaine du 5 octobre, songea Carl, c'était justement celle-ci. La bougie devait être déjà arrivée.
Karl n'avait pas honoré sa réputation de fouilleur, les richesses des terres de la Motte lui échappaient complètement. Il doit bien y avoir quelque part un modèle pour reconstruire ce bolide-là. Il doit bien y avoir quelque part un modèle pour reconstruire ce bolide-là. Place attendait un téléphone important. Il l'attendrait longtemps. Karl avait noté l'absence évidente de ligne téléphonique dans le coin. On dirait bien que le lait était classé. Du plus vert au plus blanc, du plus caillé au plus frais. L'homme avait une passion pour les vies intergalactiques. À cette époque-là, on craignait ou bien la bombe atomique russe ou bien une invasion d'extraterrestres. Le mécanicien avait choisi son camp. Roswell et Atami Peck, même histoire. De grands déserts propices aux petites folies. Karl reconnaissait la carte de l'endroit. Mais que désignaient les punaises? Correspondait-elle à quelque endroit sur sa propre carte?
c'était un bidule bizarre, entre la passoire et le séchoir de coiffeuse. Ça servait à quoi? Jouer au télépathe? Se protéger contre les ondes nucléaires? Si quelque esprit intrépide pouvait mettre la main sur les matériaux manquants, Carl aurait été prêt à parier que le vaisseau aurait su s'envoler. Dans ces griffonnages-là, on pouvait retrouver les morceaux d'un esprit tourmenté. Ça tournait pas rond dans la tête du mécano. Se fiant au plan, Carl supposait que les pièces du bolide étaient éparpillées dans les alentours. Thank you.
Ah, le joli bidule qui vous repose les nerfs. Sauf que dans ce coin de pays, avec le vent qui se pose jamais, ça irriterait même le plus âne des moines. Des machines comme celle-là demandaient sans doute une finesse intellectuelle qui échappait à Karl.
car ne savait pas trop comment recevoir un tel message. À vue de nez, il lui semblait que ça faisait une moitié de trop. Ça suffisait à ne pas prendre ce témoignage pour argent comptant. Cette histoire de punition pour un meurtre commis par Hamilton était un peu farfelue. Carl doutait. Carl n'avait pas tiré tout ce qu'il pouvait de ce mécanicien. À quoi sert une voiture sans moteur? On aurait dit que le mécanicien avait une bien drôle de manière de réparer les autos. Thank you.
Le sang et la forme du trou ne laissaient aucune place au doute. On avait enterré quelqu'un à cet endroit. Quelqu'un arraché violemment à la vie. Où se trouvait maintenant le cadavre? Pourquoi avait-il été enterré ici, puis déterré ensuite? Karl marchait en plein brouillard. Le sang et la forme du trou ne laissaient aucune place au doute. On avait enterré quelqu'un à cet endroit. Quelqu'un arraché violemment à la vie. Où se trouvait maintenant le cadavre? Pourquoi avait-il été enterré ici, puis déterré ensuite? Karl marchait en plein brouillard.